à toutes et à tous, c'est Jean-Philippe pour Sport Unipratique. Eh bien, aujourd'hui, on va tester une recette Cookio. C'est une recette pré-programmée, donc c'est une crème légère au chocolat. Donc on va tester et on va voir ce que ça donne. Donc pour cette recette, au niveau des ingrédients, c'est assez simple, finalement, il faut pas grand-chose. Là, il faut 30 g de poudre de cacao, 100 g de sucre semoule. Là, c'est de la fécule de maïs, il en faut 30 g. Il vous faudra 2 œufs. Et pour 4 personnes, là, c'est une recette pour 4 personnes, il vous faudra 750 ml de lait. Eh bien, c'est parti pour la recette. On va commencer par allumer l'appareil. Et puis, on va aller rechercher la recette préprogrammée. Donc, on va aller dans recette, on fait OK. On va aller dans dessert, on fait OK. Et là, on va trouver crème légère au chocolat. Là, je vais sélectionner 4 personnes. Et puis là, on me dit qu'il y a 5 minutes de préparation. Et puis voilà, on me donne la liste des ingrédients. Donc, moi, j'ai préparé mes ingrédients. Donc, je vais faire OK. On me demande si on souhaite démarrer la recette. Ben, je dis oui, bien sûr. Et donc là, je vais mélanger tous les ingrédients. Eh bien, je vais commencer par mettre ma poudre de cacao. Je vais ensuite mettre ma fécule de maïs. Je vais ensuite mettre le sucre semoule. Je commence un petit peu à mélanger tout ça. Ensuite, je vais casser les œufs. Voilà. Mettons deux des œufs. Hop là, la coquille, au revoir. Et puis, bien sûr, je vais mélanger l'ensemble. Et puis ensuite, je vais rajouter le dernier ingrédient. Le dernier ingrédient, c'est quoi? C'est du lait. Je vais l'incorporer et mélanger. Et ensuite, quand j'ai mis tous mes ingrédients, je fais OK. Et puis, l'appareil se met en préchauffage. Pendant le préchauffage, n'hésitez pas à mélanger de temps en temps. Donc, l'appareil me demande de emmener à frémissement. Là, je vais faire OK. Et puis là, il me demande, puisqu'on a atteint le frémissement, si vous voulez, je vais arrêter de dorer, parce qu'il s'est mis en position dorée. Je fais oui. Voilà, je peux arrêter maintenant mon appareil. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter mon appareil. Voilà. OK. Je vais arrêter l'appareil. Oui. Et puis je vais mettre la crème au chocolat dans un bac et puis je vais laisser bien sûr refroidir. Voilà. Donc je vais attendre que ça refroidisse dans un premier temps à l'air libre comme ça et puis ensuite bien sûr je le mettrai au frigo pour que on puisse le déguster froid. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres recettes.